Donc nous sommes à la Ferté-Milon, nous allons customiser les conteneurs du relais. Sandrine va nous expliquer un peu le déroulé des opérations ce matin. Elle va expliquer ce qui va se passer avec les petits du centre aéré. Alors les petits, c'est des ados, oui. C'est des grands enfants. Donc là, il y a une dizaine d'ados de l'accueil ado de la Ferté-Milon qui va venir donc faire une petite initiation graph. Donc le projet à la base, c'est de pouvoir customiser les deux conteneurs du relais. Pour continuer en fait le projet de customisation qu'on a sur la communauté de communes. Ils vont être customisés selon quel thème, les conteneurs ? Alors là, aujourd'hui, on a choisi donc avec la maire de la Ferté-Milon, parce qu'on avait voilà, aussi des consignes avec Madame Lefrère. Donc on a choisi le thème de Jean Racine et puis de la Ferté-Milon avec le château, la roue, le pont, et puis aussi bah, voilà, Jean Racine... le personnage. C'est parfait, ça c'est quelque chose qui peut se faire dans toutes les communes, ça donnera peut-être des idées à d'autres personnes qui travaillent déjà avec le relais ou qui voudront travailler par la suite après. Et ça peut être sympa d'avoir dans chaque ville des conteneurs à l'effigie du héros de la ville, par exemple La Fontaine à Château-Thierry ou Alexandre Dumas à Villers-Cotterêts. Bon, il y en a d'autres dans d'autres villes. Donc voilà, donc là ça va. Vous avez fait appel à un graphiste alors qui va. Donc on a fait appel à l'association Street Color qui se trouve à Château-Thierry et qui va donc initier les jeunes au graphe. C'est donc en même temps un projet pédagogique pour les jeunes. Projet pédagogique, oui, projet pédagogique, éducatif, puisque l'idée aussi c'est de pouvoir redécouvrir les arts de la rue et de ne pas graffer n'importe comment et n'importe où. Et ce matin, eh bien, on va vous apprendre un petit peu les techniques de base pour faire un graphe sur les conteneurs relais. Voilà, qui resteront. Vous êtes tous de la Ferté-Milon ? Ouais. Et ben, ça restera dans votre village. Du coup, je vais voir vos œuvres même après. Donc là, on va commencer. Bah, vous allez filer un petit coup de main. Il faut décharger du matos, il faut essuyer le deuxième conteneur parce qu'il est mouillé, ça n'accroche pas. Et puis ensuite, et ben, au fur et à mesure, on va peindre nos deux conteneurs. Donc moi, je compterai sur vous peut-être pour, je sais pas, on choisira les couleurs ensemble, s'il y a des trous ou si vous avez quelque chose qui ne vous plaît pas, ben voilà, je compte sur vous pour donner votre avis. Ensuite, il se peut qu'il y ait quelques petits moments où ce soit un petit peu long. D'accord, ou j'ai pas quelque chose à vous faire faire tout de suite parce que on fonctionne par couche, on va dire, c'est à dire qu'on va déjà travailler les arrière-plans, ensuite on va travailler tout ce qui est paysage, décor, voilà, et ensuite on va travailler les premiers plans. Donc il se peut qu'entre deux, moi j'ai quelques petites retouches à faire pour que vous puissiez avancer et que du coup ce soit un petit peu long. Donc bah, je compte sur vous pour pas que ce soit le carnage. Si c'est vraiment trop long, bah, vous me dites. Toi Audric, là c'est abusé, dépêche-toi de trouver un truc, toi. Voilà. Ensuite, petit truc, vous êtes neuf, moi je suis tout seul, donc pareil, il se peut que ce soit un petit peu long de temps en temps. Si je vous donne un truc à faire, vous avez fini, je suis avec quelqu'un d'autre. Donc voilà, je vous demande aussi un petit peu de solidarité pour moi et de comprendre que je suis tout seul et que vous êtes neuf. Et voilà, et après ça va se passer super. Vous connaissez la différence entre tag et graph, non ? Vous allez le faire 200 fois. Enfin, non, tu ne sais pas. Quoi, tu m'as dit que tu as déjà vu ? Tag, ça va être plus avec des lettres, le graphisme, c'est plus avec... Alors non, le graphisme, c'est sur ordinateur. C'est le graffiti. Ou les graphes, comme tu veux. Le graphisme, c'est sur ordinateur, c'est le dessin, mais sur ordinateur. Voilà. Non, en fait, la différence tag, graph, peu importe que tu utilises des marqueurs ou des boules de peinture ou ce que tu veux. En fait, le tag, c'est juste la simple signature. Voilà. Le fait d'écrire son surnom ou une phrase en un seul trait, d'accord, avec une bombe, avec un marqueur, ce que vous voulez. Ça, c'est un tag. Ensuite, le graph, ça va être tout le reste. Ça va être tout ce qui va être les fresques murales. C'est-à-dire ce que vous allez faire cet après-midi. C'est-à-dire on va utiliser des lettres, mais ça va être des lettres contournées. On va faire des paysages, on va faire des personnages. Ça va être plein de choses comme ça. Et voilà, tout ça, ça va être dans le graphe.
ensuite le tag c'est vraiment la signature. Nous on fera pas de tag aujourd'hui ou très peu, moi j'en ferai peut-être quelques-uns. On pourra pas marquer vos surnoms ou vos prénoms parce qu'on a peu de surface. Mais on s'arrangera pour faire une petite dédicace, je sais pas, vous avez un nom de groupe, un truc comme ça. Oui. Non, ça peut se trouver, ouais. Bon bah voilà, si vous avez envie de trouver un petit nom de groupe, un petit... Dans les temps morts, je vais entendre ça. Dans les temps morts, ça va les occuper. Ouais, voilà, comme ça vous pouvez trouver un petit peu et puis... Là, on a une autre Une fois j'aurais peut-être réussi à faire le petit truc là-bas. J'ai Et après, vous voyez là, le jaune et bleu c'est pour vous lire les lettres. Merci là. Vous pouvez trouver une couleur.